Since 1996, in one of the most romantic and beautiful regions of France, the Côte d'Azur, the most extravagant and most passionate perfumes have been created. Martine Micheleff and her husband Geoffrey Newman, as well as discovering an overwhelming passion and love for each other, became the authors of the finest essences incorporated in beautiful designed and hand-decorated perfume flacon. For perfume connoisseurs and aficionados, Martine Micheleff's signature is today a must, a luxury, a combination of art and perfume of outstanding quality. We invite you to watch and explore their exciting secrets, their vibrations, their passions. We are here in Châteauneuf de Grasse in our house, which is the Bastide Micheleff. Châteauneuf is on the bottom of the town Grasse, which is world known for perfumery and cultural innovation in flowers and perfumes. Lucky to have a piece of land which allows us to grow and have some very beautiful flowers and colorful garden, which are also inspiration for Martine and her designs, and at the same time inspiration for myself with the production of my perfumes. Parfum Micheleff is a concept which my dear wife and myself have started about 11 years ago now. It is sharing passion and love, and we were able to come up with a very special idea, which was to use the gifted talents of Martine, who is a born artist and paints very well, and I devoted a lot of time for the development of the actual fragrances. When Geoffrey asked me what do you think about this perfume business, as I am an artist, I decide to combine art and perfume. I have the idea to paint on the crystal bottle. It was something very special and very unique. Micheleff concept is well developed today with about 35 countries and 500 points of sale, and Martine has very much in control her talent and her creative side, which is to manage the decor department and
develop always for each year new products, new bottles, still the hand-painted decoration on the bottles using Swarovski stones. The first stage, I apply a color. This color, it's a brown color, but in reality, it's a plated gold, 24 carat. After, I put this bottle in a oven, and it becomes real gold. After that, I apply another color, that it's a white color. It's a base, and after this base, I mix with different colors to have my final design. The last step, I apply Swarovski stone to complement the design of my bottle. Each flask is decorated by hand, and I have a good team who are used to put the stones. This is Swarovski stones. We put one by one, it's handmade, and you have never the same bottles. And I have developed more and more my talents in as the nose in the company, which is I developed the fragrance together with Jean-Claude Astier, who is our mentor or godfather in this business. And I have very much pleasure in spending a lot of hours in the lab and looking at different new ideas and fragrances. Fragrance is something you have to take time. It's like producing a good wine. You need time and a good mix, and every day a little bit work on it. I'm very happy and proud to say that I believe we succeeded in an achievement in the company, Mikalev, through the hard work and gifted work of my wife and myself. We were really able to bring back to life and on the shelves a product, a perfume, which is a luxury perfume, which is
a mix of handwork, hand painting on a bottle, crystal bottles, and wonderful fragrances which are based on natural and very expensive ingredients. Alors là, je vais donc préparer un cocktail à partir du bar Mikalev pour une cliente qui voudrait un parfum un peu hespéridé, floral. Donc je vais d'abord moi-même prendre quelques idées à partir de
cocktail de mes testeurs existants. Voilà. Donc je vais partir sur cette base-là. Donc c'est une base hespéridée boisée. Je vais prendre la note de tête hespéridée. Ça, c'est ma note de cœur florale. Donc, comme la cliente voudrait une petite base fraîche sur l'hespéridée, je vais prendre quelques millilitres de cette base fraîche. Voilà. Alors, il faut faire un petit peu du mélange. Je vais choisir son flacon qui est un petit peu dans le décor d'une base fraîche hespéridée, donc peut-être des pierres de Swarovski vertes. Ça sera certainement à son goût. Nous utilisons des flacons rechargeables. La cliente peut toujours venir se faire faire le même cocktail. Donc je vais tester le cocktail. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà. C'est une très belle histoire d'amour que je partage avec Martine, mon épouse. Et l'amour, comme on le sait, donne des ailes et de la créativité. Et donc, nous avons fait les choses par rapport à la nostalgie du métier. Nous avons voulu recréer le beau, l'exclusif, utiliser des matières premières très nobles et redonner le plaisir olfactif aux consommateurs et aux consommatrices comme on connaissait il y a une cinquantaine d'années. Et quand les ingrédients à l'époque étaient encore abordables au niveau des prix. Comme chez nous, nous sommes dans un segment prix assez élevé et luxe, nous nous sommes aussi permis d'acheter des matières premières et de les mettre dans nos compositions olfactives de manière très noble. J'ai aussi, dans notre courte carrière, eu la chance de rencontrer un grand parfumeur grassois, mon ami Jean-Claude, qui est devenu un peu le parrain de la société Mikalef et qui est notre mentor aujourd'hui et avec qui je fais toutes ces compositions. Dès le début, bon, Geoffrey et Martine ont décidé d'axer leurs recherches à partir de ces nobles ingrédients qui font malheureusement relativement défaut maintenant dans les nouvelles structures. Nous resterons aussi toujours dans une structure plutôt niche. On appelle notre société une société niche, comme il y a d'autres collègues qui nous ont rejoints aujourd'hui dans ce concept, dans cette philosophie, et qui ne sont pas du tout à comparer avec les parfums de grande distribution. Bah, il est certain que dès qu'on emploie des produits nobles, bon, ne serait-ce que les absolus jasmin, les absolus roses, bon, c'est vrai qu'il y a de gros écarts en fonction de l'origine. C'est tout la qualité qui est utilisée dans un parfum, la qualité des matières premières qui contribue malgré tout à donner une rondeur et un certain volume à ces produits. Dans
dans cette Bastide, nous avons la chance d'avoir un terrain important où nous allons continuer à développer les plantations de fleurs et faire un jardin aromatique qui est à la fois une inspiration pour Martine au niveau des couleurs de fleurs et une inspiration pour moi-même au niveau des ingrédients que j'utilise dans la parfumerie. Je pense que quand nous aurons développé tout ça et que tout sera prêt, ce sera aussi une très belle expérience pour les consommateurs et nos clients étrangers qui viendront ici se recueillir dans la beauté du paysage et des jardins. Nous pensons également offrir ce concept à des consommateurs qui voudront venir sur place, avoir un petit peu plus de renseignements sur ce qu'est la parfumerie, comme nous on la conçoit, nostalgique et vraie, comme on la faisait, comme on distillait il y a 50 ans. Our story is a story of passion and love, and we are very lucky. We were able to combine our private life and our business life, and both are a mix of this passion and this love. And when I discovered grass and the beauty of perfumes and flowers, I used to be a financial advisor in one of the perfume labs in Grasse, and that's where the virus caught me. The virus which I have in my arm here, and also the virus of perfumes. And this is how we started about 11 years ago now, and we're very happy, and we want to keep it at a human size. We don't want to become an international holding company, because we take very many values to enjoy what we are doing. Today, you will find Mikalev in over 500 luxury stores and perfumeries, creme de la creme luxury hotels and spas, and in lavish palaces of royal families. In a relative short time, Mikalev has become a leading reference in the international niche perfumes market. It's the devotion that Martin Mikalev and her husband Jeffrey Newman share for each other that is behind the creation of the extravagant and most passionate perfumes ever created.